Et bonjour les caméléons, j'espère que toi derrière ton écran, tu vas bien. Et oui, vous l'attendez, cette saison 2 du Massif de l'Estérel, elle est enfin là. Et oui, je suis en plein milieu dedans, voilà. Hop, je vous montre. Regardez, et le temps n'était pas fameux cette année. Là, il y avait du soleil, j'étais obligé de commencer cette saison 2. Voilà, on va commencer cet été 2024 avec la saison 2 du Massif de l'Estérel. Alors, qu'est-ce que c'est une saison de Massif de l'Estérel? C'est une série de 3 épisodes, de 3 randos, parce qu'il y a tellement d'enfants, on peut en faire tellement qu'il y en a au moins 50. Donc, vous l'avez bien compris que la saison 1, c'était les 3 sommets à faire si vous y venez en vacances ou vous vivez ici. Voilà, c'est 3 sommets super connus. Et là, je vous ai préparé pour cette saison 2 3 nouveaux sommets à faire. Alors, vous allez vite comprendre que dans la première épisode, dans celui-là que vous êtes en train de regarder, c'est une petite randonnée familiale. Je vais tout vous expliquer parce que moi, bien sûr, je vais continuer cette rando pour ceux qui sont solo, qui sont plus aguerris au niveau de la rando. Mais si vous avez des enfants, voilà, des jeunes enfants, eh bien, je vais vous expliquer. Vous allez monter jusqu'au sommet, vous pouvez redescendre tranquillement et les enfants vont s'éclater. Ça, c'est l'épisode 1. Et je pars de Mandelieu. Voilà, je dis non indice, je pars de Mandelieu et l'épisode 2, je pars de Théoule. Et là, on va monter d'un cran dans la saison 2, dans l'épisode 2, pardon. Dans l'épisode 2, on va monter d'un cran. Pour ceux qui sont plus aguerris, croyez-moi, mais tout le monde peut le faire. Voilà, tout le monde peut le faire avec tranquillou bilou. Vous savez, moi, je suis pas rapide, mais j'arrive à le faire. Donc, vous pouvez tous le faire, les caméras. Et l'épisode 3, je pars de Fréjus. Et là, ça va être niveau hard. Quand je vous dis niveau hard, alors c'est pas niveau hard au niveau de la rando, mais au niveau des kilomètres. Au niveau des kilomètres, on va être plus de 20 kilomètres. J'en dis pas plus. Voilà, vous le savez, j'adore balancer, donc il ne faut pas que je balance. Donc, on va se calmer. Mais voilà, ça va être la saison 2 de Massif de l'Estérel. Et ça commence maintenant. Are you ready, les camélons? 3, 2, 1. Let's go! Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not. Si vous avez de la chance, vous verrez les chevaux et d'autres animaux.
Première interception importante, si vos enfants sont très petits, vous pouvez tourner à droite vers le pont de Sarrazin. Si vos enfants sont plus âgés et plus sportifs, eh bien, du coup, vous pouvez aller, comme moi, direction le col de la Cadière. C'est que des montées progressives, même si de temps en temps, ça monte un petit peu, mais tous les enfants peuvent le faire. Arrivez au col de la Cadière. Vous allez voir, il y a des interceptions sur d'autres randonnées que je vais faire plus tard dans les autres saisons du massif de l'Estérel. Voilà, bien arrivé, j'ai mis 3,5 km. Donc si vous faites demi-tour avec vos enfants, vous aurez à peu près 7 km à faire. Après, bien sûr, plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit, vous pouvez direction le pont Sarrazin, vous pouvez y aller aussi, pas de problème. Pour ceux qui veulent faire plus de randonnées, eh bien regardez la vidéo parce qu'on part direction le mont Saint-Martin. Bien sûr, ça monte un petit peu, mais ça va. C'est pas une montée grosse, c'est pas des gros degrés. Regardez, en plus, on a des magnifiques vues et ça, c'est magnifique. Pour aller au mont Saint-Martin, il faut aller tout droit. Mais vous me connaissez, j'adore faire du hors-piste, modifier un petit peu le trajet pour voir d'autres vues qu'on voit sur notre trajet de randonnée. Je fais du hors-piste et on le voit juste à l'instant. Il y a à peu près 350 mètres à faire pour faire une petite boucle. Et on voit par exemple Fréjus. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Bien sûr, on continue tout droit. Regardez, il faut continuer tout droit. Mais il y a encore un petit chemin pour faire un petit peu d'hors-piste. Voilà, c'est ça qui est bien dans cette randonnée. Il y a plein de petits hors-pistes pour voir d'autres vues qui sont magnifiques. Et ça, c'est magnifique. Allez, on continue. Regardez, encore une fois, encore un exemple. Vous allez tout droit, vous allez tourner à droite, vous allez voir dans la vidéo. Mais si vous tournez à gauche, il y a une petite boucle à faire. Et ça, c'est magnifique. Thank you.
Voilà, on arrive à l'interception importante pour aller au Mont Saint-Martin. Vous le voyez à l'instant, on peut arriver aussi du côté gauche. Je vous l'ai dit, c'est l'Estérel, on peut aller de n'importe où. Bien sûr, regardez le panneau Mont Saint-Martin et le pont Saint-Razin. Allez, on continue la randonnée. Petite interception, voilà, vous allez le voir, à droite c'est pour aller au pont Saint-Razin, à gauche c'est pour monter au mont Saint-Martin. Si vous avez des enfants qui sont pas trop sportifs, allez directement sur le pont Saint-Razin. Si vous avez des un peu plus sportifs, allez-y, tranquillou bilou, et vous allez voir qu'il faut faire attention parce que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bien sûr, ben, on est arrêté par là, mais moi j'ai fait du hors-piste et je vous offre cette vue qui est splendide. Et ça, c'est magnifique. Bien arrivé au pont de Saint-Razin. Vous l'avez vu à droite, il y avait des randonneurs. Donc j'ai pas trop bien pu filmer tout ça. Mais regardez, c'est quand même splendide. Voilà. Vous pouvez me dire Maxime, c'est. Bref. Voilà, regardez, on arrive en haut. Et quand je vous ai dit de tourner à droite plutôt dans la vidéo, ben vous arrivez ici. Vous voyez, voilà. On arrive de droite. Et vous pouvez continuer tout droit. Sauf si avec des enfants, vous voulez voir un petit peu le pont. Vous allez voir, il y a un peu d'eau. Bon, là, c'est l'été, il n'y a pas trop d'eau. Vous allez jusqu'au bout. Vous allez arriver sur cette route goudronnée. Donc, il n'y a quasiment pas de voiture. Donc, vous allez tourner à droite direction le parking. Vous allez tout droit. C'est pas compliqué. Ça monte un petit peu. Il y a une petite barrière. Vous passez la petite barrière. Vous allez arriver ici. Vous allez tout droit. C'est pas compliqué, juste au portail. Là, vous allez me dire, on peut pas passer. Si, regardez, on peut passer à gauche, vous inquiétez pas. Et c'est l'heure de la conclusion, les caméléons. J'espère que l'apéro n'est pas terminé. Et oui, pour le petit nouveau, à chaque fois, je dis de préparer l'apéro. Bon, cette fois-ci, j'ai oublié. Je suis désolé, ça arrive. Hein. Bref, tu l'as vu aussi que je suis chez moi, justement. J'ai pas fait la conclusion dans l'Estérel. Ben oui, parce que le vent s'est levé. Et donc, il y avait tellement de bruit dans ma conclusion, c'était impossible. Et d'habitude, vous savez, je fais mes conclusions dans la voiture. Et finalement, dans la carte, il n'y avait que du soleil. Donc, impossible de faire la conclusion. Donc, voilà, on est là, on est à la maison, on est tranquillou bilou. Bon, c'était un petit aparté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Commente si tu as déjà fait cette randonnée, on ne sait jamais. Voilà, commente. Abonne-toi pour les futures vidéos, futures rando, futures matchs de sport, futurs voyages. Voilà. Si tu veux me suivre, ça me ferait toujours plaisir. Bref, tu l'as vu, dans cette randonnée, on peut le faire en famille.
Et oui, en premier temps, vous l'avez vu, je vous ai fait montrer. Je vous ai fait montrer, je crois, un truc comme ça, oui, des fois. Voilà, je suis 10, je suis 10. Je sais pas si je parle bien français, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Putain, ma tête, elle est bien ovale. J'aime bien. Bref. Bon, faut pas qu'elle dure 40 ans aussi, la conclusion. D'ailleurs, restez jusqu'au bonus, hein, je dis ça, je dis rien. Bref. Voilà. Comme tu l'as vu en vidéo, à un moment, on tourne à droite pour vers le pont Sarrazin. Et après, vous continuez, il y a à peu près 4 km maxi. Voilà. Donc, avec les enfants, en plus, avec un peu de montée, un peu de descente, un peu de montée, un peu de descente, ça fait travailler les jambes. Et ça, c'est magnifique. Après, si vous avez des enfants un peu plus forts sportivement, ou un peu plus âgés, bien sûr, ben, vous pouvez monter, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, jusqu'au col. Voilà. Pour jusqu'au col, il y a à peu près 3 km et demi. Donc, aller-retour, il y a à peu près 7 km. Donc, c'est une petite rando en famille à faire, pas mal. Voilà. Et en plus, si vous avez des ados, vous pouvez continuer comme ma petite boucle. Voilà, vous faites ma petite boucle. Voilà. Et ça fait à peu près entre 10 et 11 km. Même si moi, tu as bien compris, j'ai fait du hors-piste et j'ai fait au moins 15 km aujourd'hui. Mais si j'enlève mes hors-pistes, il y a entre 10 et 11 km. Donc, avec des ados à faire, c'est pas mal. Et en plus, je vais vous dire un petit secret, les caméléons. Il n'y a pas de réseau. Juste quand on arrive au col et jusqu'au mont Saint-Martin, mais quand vous arrivez vers le pont du Sarrazin, plus de connexion. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des ados avec plus de connexion, cette rando est faite pour vous. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref. Voilà. On va se terminer là-dessus. Reste connecté parce que j'ai dit un petit bonus à la fin. Je dis ça, vous connaissez, parce que le cigale, le soleil est revenu, les cigales, ils chantent. Les cigales, les cigales, les cigales. Bien sûr, moi, je fais cette randonnée l'été. Donc, vous, faites-le plutôt au printemps, en automne. Surtout qu'au printemps, généralement, on voit plus les chevaux, parce que là, vous avez vu, ils sont carrément dans les box à l'ombre. Et en plus, de l'autre côté, quand vous arrivez vers le pont Sarrazin, voilà, toute cette partie-là, généralement, il y a des moutons, voilà, il y a des petits animaux. Voilà, c'est l'été. Donc, comme c'est l'été, ben, ils sont tous rentrés, c'est normal, il fait chaud. Donc, là, on ne les voit pas. Mais, si vous faites ça au printemps, voire peut-être en hiver, hein, qui sait? Vous faites ça en hiver, puisque maintenant l'hiver il fait assez chaud, on peut faire de la randonnée et ça c'est magnifique. Bref, je vous ai donné un petit indice pour l'épisode 2 et l'épisode 3 de cette saison 2 du massif de l'Esterel. Oh là là, je suis vraiment fatigué moi. Moi j'ai fait 5 heures de rando, là ça y est, Maïko est fatigué, il faut qu'il va se reposer. Bref, allez, je vous laisse dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. La suite au prochain numéro!